Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour vous présenter ma palle du mois de février. Alors pour commencer, ma palle va comprendre tout ceci. Donc ce sont tout simplement les livres que je n'ai pas lus pour le challenge Cold Winter qui s'arrête eh bien, à la fin du mois. Voilà, j'avais prévu 9 livres, donc je n'en ai lu qu'un seul, il m'en reste 8 à lire. Exactement, j'avais bien fait de choisir que de petits livres, enfin principalement des petits livres. Parce que j'y se passe exactement ce que je craignais, je vais devoir tout lire dans ce livre. Alors, tout d'abord, il y aura donc le journal intime d'un arbre de Didier Van Kovelaar. C'est écrit assez gros, donc je pense qu'il sera lu assez rapidement. Il y a également Moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais de Marie Fugain, un livre qui me tente énormément, pareil, c'est écrit gros, qui me tente énormément, que je n'avais pas encore sauté le pas, donc il faut vraiment un. Comme ça pour que je finisse par le lire. Il y a La Maison T de Jacques Tournier, donc un tout petit livre. Il y a Sauver Noël de Romain Sardou, que j'aurais aimé lire finalement à Noël et c'est assez loupé. Donc pareil, tout petit livre. Il y a Alyosha, donc ça c'est une relecture d'Henri Troyat, c'est un livre que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup, qui fait 120 pages, donc tout petit aussi. Voilà. Nous aurons Christmas Pudding. Voilà, j'aurais aimé le lire à Noël aussi, c'est raté. Donc, pareil, pas très tôt. Hein. Ensuite, nous avons La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont. Et pour finir, Les quatre filles du docteur March de Louisa May Alcott que je suis en train de lire. J'en ai lu à peu près un tiers. Donc, ça, c'est fini ce soir. Donc, je ne vous parle pas plus en détail de ces livres-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais tournée. Pour le challenge Cold Winter où je m'étends un tout petit peu plus sur ces livres. Ensuite, comme vous le savez peut-être, si vous avez regardé ma vidéo sur mes résolutions livresques, cette année j'ai décidé de lire un classique par mois. Donc cette année pour pas cette année, ce mois pour pas recharger un peu plus ma palle du mois, je vais considérer que La Belle et la Bête est un classique. En même temps, c'est écrit étonnant classique en haut, donc je pense que je peux partir dans cette idée. Ça m'évitera de rajouter encore un livre. Et je vais également lire une pièce de théâtre, car j'ai dit que j'en lirais une par mois. Et donc j'ai choisi Horace de Corneille. J'adore ces petits livres, ces petites vieilles éditions, Hachette et compagnie. Donc qui fait partie en fait du Baby Challenge Théâtre de Livre Addict. Que j'ai décidé de refaire cette année parce qu'il y a pas mal de pièces de théâtre qui ont changé, que j'ai plutôt lamentablement loupé l'année dernière. Donc voilà, j'ai commencé par ressortir toutes les pièces de théâtre que j'avais déjà. Et celle-ci en fait partie, donc hop, ce sera pour ce mois-ci. Ensuite, je vous avais dit dans cette vidéo que j'allais prendre le challenge A à Z à bras-le-corps et que j'allais lire le A et le Z en février. Donc pour le A, eh bien je compte que. Louisa May Alcott, un très beau A. Et donc pour le Z, j'ai sorti La Fascination du Pire de Florian Zeller. Donc c'est un tout petit livre qui a l'air vraiment sympathique. Ben voilà, je vais découvrir ce mois-ci. Et normalement, ça sera déjà une lettre difficile de fait. Ensuite, ce mois-ci, j'ai tiré dans ma boudoir, voilà, Histoire d'une salamandre de Catherine Paysan. Donc le livre se présente comme ceci. Donc c'est, vous savez, les livres qu'on, des collections bibliothèques qui s'envoyaient tous les mois, club de lecture plutôt, ben, tous les mois. Donc c'est assez, c'est un beau livre, un papier très blanc, relié, enfin voilà. Je pense que je l'ai lu quand j'étais plus jeune, parce que ça fait un moment qu'il est dans ma palle, enfin dans ma bibliothèque. Donc à mon avis, je l'ai déjà lu, mais je ne me rappelle absolument pas. Donc ce sera l'occasion de le relire, en tout cas de le redécouvrir. Ensuite, je vais lire. Nos étoiles contraires, un livre emprunté. Pas plus d'un par mois, là je n'en ai qu'un dans toute cette sélection, parce que non, je ne l'ai pas lu. Et c'est Marine qui me l'a prêté. Donc il est temps que je le lise, surtout qu'il me fait quand même super envie. Ensuite, j'espère pouvoir lire Rendez-vous Orcival de Simone Chaney Munch. J'espère que je prononce son livre, son nom correctement. Donc c'est un livre que l'auteur m'avait gentiment remis pour que je puisse le lire et
le partager avec vous. Je l'avais partagé à vous, j'ai très 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 envie de le lire et toujours cette appréhension de dire ah mince, s'il me plaisait pas. Donc c'est une lecture que j'ai beaucoup beaucoup remis à plus tard. Donc voilà, c'est vraiment temps que je le sors. Surtout que je sais que ben, l'auteur qui est vraiment charmante est très agréable. C'est très agréable de discuter avec elle. Donc voilà, il faut vraiment que je le lise. J'ai vraiment hâte de découvrir sa plume. C'est un livre qui est imprimé sur un beau papier. Il pèse une tonne. Pour le challenge masse, prise de masse littéraire, là je vais marquer des points ce mois-ci. Ensuite, je vais lire Édith, Reine des Saxons de Régine Sonderman. J'ai été contactée en fait par la traductrice française de ce livre pour me le proposer en fait tout simplement. Donc je l'ai reçu. J'espérais avoir le temps de le lire en janvier. J'ai vraiment pas eu le temps. Donc voilà, ce mois-ci, je m'y colle. J'aime beaucoup, ça va parler du Moyen-Âge. Voilà. Jusque-là, vous l'auriez deviné à la couverture. Dans le plutôt, je pense, dans les années. Je pense que ça date aux alentours du 11e, hein, à creuser un peu plus. Visiblement, c'est un livre qui a été bien documenté par l'auteur. Donc j'ai vraiment hâte de lire. Hélas, je crois que par contre, l'image sur la couverture n'est pas du tout de la bonne période. C'est typiquement 13e siècle et je pense que l'histoire est antérieure. Donc, mais bon, c'est pas bien grave, c'est un détail. C'est juste un détail. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère qu'il sera vraiment à la hauteur de mes espérances. Et en dernier, je vais lire. Ça allait très très vite lu. Caillou, mon petit pot à moi qui m'a été envoyé pareil en décembre. J'ai pas eu le temps de le lire en décembre ni en janvier. Et pourtant, une honte à moi, c'est un livre cartonné. Donc voilà, je souhaite partager cette lecture avec ma fille qui a 3 ans, qu'on voit comment elle peut réagir à cette lecture, qu'est-ce qu'elle en pense, comment ça la fait rire. Voilà, et j'espère avoir mon avis assez rapidement sur ce livre. Voilà, donc si je reprends le total, j'ai empilé ça à peu près correctement. Il y a des grands livres, des petits livres. Ça se saute, je vais pas y arriver. Alors, nous avons sacré pile. Il y a son poids de livres, mais vu qu'il fait archi mauvais, que je sais pas comment est le temps chez vous, mais ici il neige à plein, qui fait un froid de canard et encore même plus que ça, même mon chien ne veut pas mettre le nez dehors. Je pense que je vais rester quelques heures sous mon plaid avec un bon thé à lire tout ceci et j'espère vraiment réussir ce défi un petit peu important pour moi-même. Ça me ferait vraiment du bien et ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, donc si vous avez lu certains de ces livres, si il y en a certains qui vous tentent, bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires donc, dans la barre des commentaires. Je suis ravie de discuter tout ça avec vous et j'espère vous retrouver très vite pour vous parler de toutes ces lectures. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne lecture. Ciao!